premier cohorte unité spéciale, la police frontalière, a gradué mercredi 27 décembre dans l'école nationale police sous route frère. Président de la République, Jovenel Moïse, était présent dans la cérémonie. Ça. Protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, annoncé en série de rencontres l'année cabinet avec plusieurs acteurs dans le système justice, dans l'idée pour combattre la détention préventive prolongée. Premier secrétaire du bureau chambre député en dit satisfait pour le travail à la chambre d'arrivée fait pendant l'année 2017 là. Selon Jean-Rouler Jean, parlementaire voté plusieurs lois et puis réalisé séance travail en commission dans le cadre mission contrôle. À l'étranger, c'est avec un pile impatience, mais sans violence, peuple Iberia après un premier résultat, deuxième tour élection présidentielle. Deux candidats, c'est Joseph Bouakaï, vice-président, et puis vedette football, Georges Roya. Et puis, dans la page sport, député Léogane Jean-Wilson Hippolyte, fait qu'on est très confiant. Valencia rejoint la saison Capinilla, élite football haïtien, après victoire 2-0 sous Violette, la demi-finale aller, championnat national, deuxième division. Et puis, dans la page internationale, championnat d'Angleterre, Manchester City. Enregistré en 18e victoire, l'une après l'autre. L'aile bat Newcastle 1-0 dans l'occasion, 20e journée. Nous saluons toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs qui suivent nous dans le moment. Bienvenue dans le journal Mi-temps Journée sur Télévision Nationale d'Haïti. J'ai annoncé le grand titre, le président républicain Jovenel Moïse participé mercredi qui se passait à la graduation premier cohorte unité spéciale police frontalière. Agence Aéroportale gagne pour mission renforcer sécurité dans la frontière à tout niveau. Responsable unité ça, commissaire Marc Justin précisé, il y a bien pour collaborer avec l'institution Tankou, la douane, immigration. N'a précisé cérémonie ça a déroulé en présence Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine avec membre d'un corps diplomatique. Là. Précision Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay, n'a reporté ça. Première promotion, police frontière ça, gagne la donne 118 agents PNH là. Femme et garçon qui pral déployer tout de suite dans différents points frontières pays d'Haïti, commencé dans le département centre, l'ouest et l'est. Unité spéciale ça gagne mission pour renforcer sécurité sous frontière dans différents niveaux, tant qu'on a question lutte contre criminalité, lutte contre contrebande, immigration en cachette, sans oublier commerce timoun ak jeune fille qui kon fait sous frontière. Policiers, police frontière. Moi mandé pour nous vigilants. Moi vle trafic jeune fille ak timoun fini sous frontière. Il y a des milliers de timoun kap trafiqué chaque année sous frontière. Yo à l'autre bord frontière avec yo pour yo exploiter yo tout gens. Ça pas bon. M'a tout dit nous. Et yo nan indicateur qui pral permettre moins évaluer travail nous c'est baisse au niveau de cas de trafic timoun ak réduction contrebande nan frontière. C'est environ 400 millions de dollars déficit l'état haïtien fait chaque année. Dans affaires contrebande à l'autre qualité crime sous frontière. Président républicain Jovenel Moïse expliquait une unité comme ça important en pile pour le pays. Chef l'État applaudit la police nationale là pour l'initiative ça, qui rentrait en ligne droite avec vision administration Moïse Lafontaine pour combattre corruption sous toute forme et puis pour battre la justice en jarret. Nous connaissons l'État besoin de faire respecter le code douanier pays, empêcher le trafic de drogue, trafic d'armes. Trafic timoun, trafic organe dans le monde avec tout ça malveillant qui a fait sous frontière pays. Et Jean, nous attendons directeur général de police avec directeur de police frontalière Joudil. En pile monde, en pile autorité, en pile petit commerçant, en pile gros commerçant, en pile haïtien en mouvement contrebande. Trafic toute qualité primaire. Dans la dernière année, ça yo, y a acheté frontière à l'argent comptant. Yo fait ça yo vle sous frontière. Nous t'étendons ça qui passé et la dé l'autre jour. Machine, autorité boulée.
arrestation fait. Mais malheureusement, les rivets mi balais, tout le monde l'a gué. Et c'est pour ça que je dis, je profite occasion ça. Avec nouvelle unité police frontalière pour demander la justice pays qui c'est pouvoir qui plus important et pays a gagné parce que la justice élève une nation mais l'injustice est le propre des peuples. Formation unité spéciale police frontalière joint CIPO pays États-Unis à Canada. Déploiement agence Ayo pourra poursuivre de temps en temps sur tout le territoire. D'ici l'année 2020, quantité unité police frontalière doit arriver à plus passer 650 agents. Merci à Pile, Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duhané. Tout de suite après la cérémonie ça qui est déroulée dans l'école nationale police en Sous-Frère, président de la République Jovenel Moïse a inauguré quartier général police frontalière dans la commune Taba, présence magistrat commune Nissimon. Inauguration quartier général ça a été occasion pour directeur général PNH Michel-Ange Gédéon te faire président Jovenel Moïse visiter différentes sections qui n'ont espace ça. Nous prenons les coulisses là dans Palma haïtien avec premier secrétaire bureau chambre député Jean-William Pierre qui exprime satisfaction pour le travail il dit la chambre n'arrive fait pendant toute année 2017 là selon parlementaire ben et collègue Lio arrive voter plusieurs lois et puis réaliser diverses séances en commission dans le cadre de la mission contrôle Lio précision député Kwade Boukia qui c'est premier secrétaire bureau chambre député hein, Jean-William Jean il était dans le micro fait de confident avec Moïse Joseph Wilbich. Nous votons loi sur loi FNE, nous votons loi sur question vidéosurveillance, nous votons loi trois chiffres, etc. Ça qui a un rapport avec l'aspect social et population. Je pense que je dis à tout, et bon côté, pas nous, nous-mêmes qui parlementaires, nous pas qu'à quitter population pour contenir et c'est ça que fait Wapoué. Il y a un pile dans nous qui accompagne la population, nous, soit dans la question de l'école, soit dans la question de l'université, et soit dans la question de problèmes et d'autres problèmes sociaux que nous connaissons qui gagnent dans la communauté. C'est vrai, et voter nous, c'est pour nous surtout contrôler l'exécutif là, et voter et faire des lois. Mais et ensuite garder est-ce qu'il y a un suivi qui fait par rapport à ensemble d'actions, par rapport à ensemble de lois qui gagnent et que nous votons. Député Jean-Wilbert Jean, premier secrétaire du bureau chambre député, hein, qui a montré le satisfait pour le travail, il dit collègue Lio Rivé réalisé pendant l'année 2017 là. Nous prenons la joie une précision protecteur citoyen René Louville qui a annoncé auprès assurer pendant l'année cabinet OPC présent sur tout territoire, ça qui va faciliter la population comprendre plus bien et rôle institution ça. De l'autre côté, M. Edouville a annoncé une série de rencontres pendant l'année 2018 là, avec acteurs dans le système de la justice là, pour arriver à combattre détention préventive prolongée. M. René Louville, t'es la micro, Marie-Jolouis, à Kervé Pierre. Nous fait déjà deux visites au niveau du pénitencier national, deux visites qui étaient censées être un constat, un état des lieux. Ça permet nous ouais, que gagne un fort pourcentage de monde qui a fait la prison préventive prolongée au niveau du pénitencier national, plus de 90%, sont effectifs de près de 4250, il y a environ moins que 400 monde qui sont condamnés. Et le gros morceau a fait la prison préventive prolongée. Et nous, dans la deuxième visite que nous faisons, nous constatons que il y a des gens au niveau du pénitencier national eh bien, qui l'a depuis 2010. Il y a des gens qui l'a depuis 2010, 2011, il y a des gens même qui l'a depuis 2008, donc ça fait environ 9 ans, et pour des infractions mineures parfois, pour des infractions majeures, mais aussi pour des infractions mineures. Et les gens ne savent pas que jamais juger. Il n'y a pas qu'on si on mérite condamné pour ta condamné pour purger peine non il y a pas qu'on tout si que yo innocent donc il a fait la prison préventive et ceci en violation de principe de délai qui en dans procédure pénale. Il y a des juges d'instruction qui sous dossier ça ou parfois qui qu'on aller en voyage pour des études 2 ans
un an qui est allé qui quittait prisonnier dans cachot. Il y a des juges d'instruction parfois qui sont malades et qui décident de quitter mon aller sans que par nous compte qui est venu de mon sao. Et nous-mêmes, nous estimons que c'est des bagages qui sont inacceptables. Et c'est peut-être ça que nous battons comme délai, comme mandat, comme attribution, comme responsabilité pour à partir de l'année 2018, au seuil de l'année 2018, rencontrer avec le juge sao pour qu'on ait qui côté question bloqué, rencontrer avec les différents décanats, notamment le décanat au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince, pour nous qui côté dossier ça a bloqué, et puis pour nous capable attirer l'attention de ces juges d'instruction, de ces commissaires de gouvernement, de ces substituts de commissaires de gouvernement, pour qu'ils soient capables de décider sous son monde ça. Toujours dans le cadre d'interview, ça, Maître Renan Ilville, il y a Télévision Nationale d'Haïti, il y a exprimé volonté pour l'examiner. Lis par qui a bien pour soumettre le président républicain dans le cadre de ces grâces présidentielles-là, de façon pour criminels ne pas bénéficier de grâces présidentielles-là. Selon ça, protecteur citoyen, Maître Renan Ilville, te fait connaître dans le cadre d'entrevue spéciale saleté accordée Télévision Nationale d'Haïti. Il y a une fédération syndicale travaillant dans EDH, dans tête collée avec la direction générale institution ça, qui lançait une campagne nettoyage, une occasion faite fin d'année. Le thème campagne là, c'est oui pour l'environnement propre. La semaine il fait dans Louis-Joseph Janvier, il a gagné pour nettoyer toute zone qui est pas trop loin, bureau central EDH là, selon sa responsable Festredio, qui fait qu'on est dans le cadre d'une conférence pour la presse, journée mercredi. Je te parle à TNH, je suis. Initiative. Fédération des syndicats des travailleurs d'électricité d'Haïti, FESRED, prend des conseils avec la direction EDH pour que matin là, nous déclenchions une opération nettoyage boulevard du Monde, oui, magasin de l'État. Donc, initiative ça, c'est une réponse que le syndicat EDH a voulu porter par employé EDH qui, à plusieurs reprises, a plaidé le fait que yo senti que les la caillou y a vinn travail, c'est l'enfatra yo vinn travail. Les pral la caillou tout, c'est l'enfatra yo passé pour la caillou. Donc en solidarité avec moun Fort Saint-Clair, moun village de Dieu et l'autre moun qui habite l'environnement, nous t'ai décidé pour que matin nous t'ai créé un mouvement de chouke fatra dans zone. Faible moyen que nous gagnons pas permettre que nous prenions toute centre-ville là. Mais nous dit en symbole de réaction, nous prenons zone qui environnant pour que nous te permettre que porter participation dans la population qui au même tout nous senti passer Noël là dans fatra dans zone la caillou. C'est dans ce sens ça que nous lancer appel par autorité qui là pour ça, pour aider nous à ramasser fatra dans la zone. Voilà, pour précision, responsable Festred là, à l'occasion de lancement de campagne, ça, oui, pour yon environnement propre. Campagne qui est lancée journée mercredi, dans la zone rue Joseph Janvier, à bien pour nettoyer presque toute zone qui n'est pas trop loin, bureau central EDH. N'a pas poursuivi avec professeur l'école qui a payé l'argent et dit l'État doué. Dans l'occasion, il a organisé un mouvement dans le local, direction départementale l'Ouest, ministère éducation nationale, la formation professionnelle. L'équipe télévision nationale d'Haïti a rencontré quelques professeurs ça, il a expliqué sens mouvement. Dernier travail, ça nous avons fini avec nous, qui pas signé un contrat. Or, qui n'a pas payé nous. L'école a fonctionné en petite école communautaire. Eh bien, nous avons organisé nous pour nous payer les professeurs. Mais depuis l'État, sous président Matéli, il vient faire appel avec l'école communautaire pour venir à l'école communautaire nationalisée. Nous faisons ça. Les où vient nous entrer. Depuis à nous là, jusqu'au côté de ma palavra là, nous dormons là, à terre, à la côte où nous là. Nous pas manger, nous pas boire parce que nous n'avons pas un. Mais nous, comment on comprend, nous avons 4-5 ans de travail. Nous avons madame, nous avons petit timoun l'école. Nous pas qu'à payer l'école pour eux, ça pas dans l'école nous. Et nous grand goût, font fait river pas gon une nous la gon goud et nous pas gon côté de cal font prêt parce que c'est contractuel nous pas employé. Ça dit maladie encore nous.
Voilà pour précision, professeur Sayo qui est dans le programme côté nationalisé ensemble l'école communautaire qui a demandé pour autorité dans l'éducation nationale yo fait qui choy pour yo. Et c'est là qu'on a mis en bout dans la première partie journal mi-temps journée hein, qui était avec nous. Il y a l'autre information qui a venu. Merci après pour ça. Nous allons libérer à Koualiela, côté Commission nationale électorale, a annoncé premier résultat, deuxième tour élection présidentielle, doit tomber jeudi. Deux candidats qui n'ont pas cousu, c'est actuel vice-président Joseph Boakai et puis ancien vedette football mondial, Georges Rouillac, c'est sénateur. On nous suivre le reportage avec collaboratrice nous, Dormine Duplessis, pour détail. C'est avec un pile impatience, sans violence. Peuple libérien yo obtenir résultat élection présidentielle yo. Ancien footballeur Georges Weah c'est gros favori pour remplacer Ellen Johnson Sirleaf. Sénateur Weah 51 l'année t'a remporté premier tour yo avec 38% voix face à adversaire li qui c'est vice-président Joseph Boakai. D'après Commission électorale nationale là, premier résultat deuxième tour présidentiel yo a tombé jeudi. Taux participation t'a à 55% dans deuxième tour yo. Résultat qui doit tomber jeudi dans le cadre d'élection présidentielle dans le pays Libéria, en Afrique. Deuxième tour qui est fait mardi et la Commission nationale a annoncé jeudi. Premier résultat doit être disponible. On a rappelé deux candidats qui sont en lice. C'est Joseph Boakai, actuel vice-président, et puis le sénateur Georges Weah. Ancien vedette football mondial. Nous prenons les coulisses là en Afghanistan, côté gagné, un attentat qui arrivait à la cause de 40 points pour Bibiti perdu la vie. Ça passait dans un centre culturel. Betty Raphaël. D'après plusieurs médias locaux afghans, pour pipiti 40 moun perdi la vie yo, et puis plusieurs dizaines d'autres blessés dans une série d'explosions qui frappaient un centre culturel chiite dans Kaboul. D'après autorités, il est possible pour cet attentat suicide. D'après porte-parole adjoint ministère intérieur afghan, une cérémonie a déroulé dans l'occasion 38e anniversaire invasion soviétique dans le pays Afghanistan, dans cette culturel ça dans un moment explosion. Ministère santé a fait état un premier bilan côté 4 personnes ont perdu la vie et puis 6 personnes blessées et un cadre hospitalier parlé de 18 blessés côté 5 parmi eux dans un état critique. Oui, nous déjà parlé pour monter terrain, nous pour aller joindre la précision député Léo Ganna Jean-Wilson Hippolyte qui montre le confiant. Après victoire Valencia, 2 goals à 0 sous Violette Athletic Club dans le cadre play-off demi-finale championnat national 2e division. Selon parlementaire, li a prétendu Valencia déjà dans l'élite football la saison qui a venu là. Et puis l'autre bord de l'eau, 20e journée championnat anglais, Manchester City, pas suspendu craché du feu, 18 victoires, une après l'autre, puisque li bat Newcastle, 1 goal à 0. Valencia Leogan prend une belle longueur pour ta jouer finale championnat national 2e division. Après le fin bat Violette Athletic Club 2-0 dans Stativio 14, mardi 26 novembre, dans sa gain pour avec demi-finale à Léo. Dans l'occasion ça, un pile monde te fait déplacement pour te venir encourager l'équipe respective. Malgré bon niveau joué messieurs Violette yo, l'équipe Leogan te profité de quelques belles actions décisives pour te faire une belle victoire 2-0 sous Vietigla. Député Leogan Jean-Wilson Hippolyte qui était présent dans ce stade là, pas de cacher contentement pour gros passa formation Valencia dans la compétition. Pendant le fait qu'on est, il était confiant, équipe Léogane a pris une place li dans l'élite football haïtien. En tant que député de Léogane, il faut me dire non, c'est une grosse joie pour moi jeudi, présent dans le stade Silvio 14, accompagné équipe moi Valencia, Valencia de Léogane, et une équipe n'a pas goumé avec pour que nous arrivions en première division. Et journée jeudi, équipe plantée à la hauteur, équipe plantée à jouer bon boule, nous font grosse victoire, et pas sur n'importe quelle équipe, hein. Sous une grosse ténoyo et qui est les violettes. Donc nous faisons une belle bataille, nous gagnons aujourd'hui et nous disons nous pourrons continuer la bataille avec Valencia dans le match retour pour nous continuer à battre Violette pour nous monter en première division parce que nous connaissons l'autre match captain nous, c'est vrai, mais nous connaissons
traverser violette, ça veut dire que ça, ça veut dire que nous déjà en première division. Premier cohorte unité spéciale, la police frontalière a gradué mercredi 27 décembre dans l'école nationale police sous route frère. Président République Jovenel Moïse était présent dans la cérémonie. Ça. Protecteur citoyen, maître Renan Edouville annoncé une série de rencontres l'année Cabinia avec plusieurs acteurs dans le système justice. Dans l'idée pour combattre la détention préventive prolongée. Premier secrétaire du Rochambre député en dit satisfait pour le travail à la Chambre d'en rive fait pendant l'année 2017. Là. Selon Jean-Rouler Jean, parlementaire voté plusieurs lois et puis réalisé séance travail en commission dans le cadre mission contrôle. À l'étranger, c'est avec un pile impatience, mais sans violence, peuple Iberia a prétendu premier résultat, deuxième tour élection présidentielle. Deux candidats, c'est Joseph Bouakaï, vice-président, et puis vedette football, Georges Roya. Et puis, dans la page sport, député Léogane Jean-Wilson Hippolyte, fait qu'on est très confiant. Valencia rejoint la saison Cabinilla, élite football haïtien, après victoire 2-0 sous Violette, la demi-finale aller championnat national, deuxième division. Mes amis, c'est la NAP Campé pour aujourd'hui. Merci en pile pour passer un soir avec attention. NAP invité à rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour reste programmation. Prochain rendez-vous avec ça, la nouvelle. C'est prêt à la soirée à 7h dans le téléjournal. Merci tout le monde. Bonsoir. Nawe demain.